Réjouis-toi, Reine du ciel, Alléluia. Car celui que tu as porté, Alléluia, est ressuscité comme il a dit, Alléluia. Prie Dieu pour nous, Alléluia. Sois dans l'allégresse, Vierge Marie, Alléluia. Car le Seigneur est ressuscité, Alléluia. Prions. Dieu qui a daigné réjouir le monde par la résurrection de son Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, fais, nous t'en prions, que par sa mère, la Vierge Marie, nous obtenions la joie de la vie éternelle, par le même Christ, notre Seigneur. Amen. Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens te demander la paix, la sagesse, la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tout remplis d'amour, être patient, compréhensif, doux et sage, voir au-delà des apparences tes enfants, comme tu les vois toi-même, et ainsi ne voir que le bien en chacun. Ferme mes oreilles à toute calomnie. Garde ma langue de toute malveillance. Que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit. Que je sois si bienveillant et si joyeux que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Revêts-moi de ta beauté, Seigneur, pour qu'au long de ce jour, je te révèle. Amen. Dimanche 21 mai 2023, septième semaine du temps pascal, année A. Voici les textes liturgiques que l'Église nous propose en ce jour. Lu par Nicéphore Vonor de la paroisse Christ-Roi de Moline, États-Unis d'Amérique, et par le diacre Justin Dikounou, et commenté par le père Raphaël Tchassiwa de la Société des Missions Africaines. Première lecture. Lecture du livre des Actes des Apôtres, chapitre 1, versets 12 à 14. Les apôtres, après avoir vu Jésus s'en aller vers le ciel, retournaient à Jérusalem depuis le lieu dit Mont des Oliviers, qui en est proche. La distance de marche ne dépasse pas ce qui est permis le jour du sabbat. À leur arrivée, ils montaient dans la chambre haute où se tenaient habituellement. C'étaient Pierre, Jean, Jacques et André, Philippe et Thomas, Barthélemy et Matthieu, Jacques fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude fils de Jacques. Tous, d'un même cœur, était assidu à la prière avec les femmes, avec Marie, la mère de Jésus, et avec ses frères. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Méditons le psaume 26. J'en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie. Devant qui tremblerai-je? J'en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. J'ai demandé une chose au Seigneur, la seule que je cherche, habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie, pour admirer le Seigneur dans sa beauté, et m'attacher à son temple. J'en suis sûr,
je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. Écoute, Seigneur, je t'appelle. Pitié, réponds-moi. Mon cœur m'a redit ta parole. Cherchez ma face. J'en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. Deuxième lecture. Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre, chapitre 4, versets 13 à 16. Bien-aimés, dans la mesure où vous communiez aux souffrances du Christ, réjouissez-vous afin d'être dans la joie et l'allégresse quand sa gloire se révélera. Si l'on vous insulte pour le nom du Christ, heureux êtes-vous parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu, repose sur vous. Que personne d'entre vous, en effet, n'ait à souffrir pour meurtrier, voleur, malfaiteur ou comme agitateur. Mais si c'est comme chrétien qu'il n'est pas la honte et qu'il rende gloire à Dieu pour ce nom-là. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, 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 alléluia. Je ne vous laisserai pas orphelin, dit le Seigneur. Je reviens vers vous et votre cœur se réjouira. Alléluia, 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 alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Jean 17, 1b à 11a. En ce temps-là, Jésus leva les yeux au ciel et dit, « Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils, afin que le Fils te glorifie. Ainsi, comme tu lui as donné pouvoir sur tout être de chair, il donnera la vie éternelle à tout ce que tu lui as donné. Or, la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Moi, je t'ai glorifié sur la terre, en accomplissant l'œuvre que tu m'avais donné à faire. Et maintenant, glorifie-moi auprès de toi, Père, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde existe. J'ai manifesté ton nom aux hommes que tu as pris dans le monde pour me les donner. Ils étaient à toi, tu me les as donnés. Et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont reconnu que tout ce que tu m'as donné vient de toi, car je leur ai donné les paroles que tu m'avais données. Ils les ont reçues. Ils ont vraiment reconnu que je suis sorti de toi, et ils ont cru que tu m'as envoyé. Moi, je prie pour eux, ce n'est pas pour le monde que je prie, mais pour ceux que tu m'as donnés, car ils sont à toi. Tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi, et je suis glorifié en eux. Désormais, je ne suis plus dans le monde, eux, ils sont dans le monde, et moi, je viens vers toi.
Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Commentaire sur la lecture du cinquième dimanche de Pâques, année A. Frères et sœurs en Christ, loué soit Jésus-Christ à jamais. Le jeudi passé, l'Église a fêté l'ascension du Seigneur, c'est-à-dire 40 jours après Pâques. L'ascension, c'est la montée de notre Seigneur Jésus vers la maison du Père. La première lecture d'aujourd'hui que nous venons d'écouter nous parle de ce que les apôtres ont eu à faire après le départ de Jésus. Ils sont retournés à Jérusalem et sont montés dans la chambre haute où ils s'étaient enfermés après la mort de Jésus à cause de la crainte des chefs des prêtres. Une fois là, ils étaient dans la prière, dans l'attente de ce que le Seigneur leur avait promis, c'est-à-dire le don de l'Esprit consolateur. Mes frères et sœurs en Christ, que faisons-nous lorsque nous attendons quelque chose d'important? Est-ce que nous nous mettons à la prière comme l'ont fait les apôtres et aussi Jésus à chaque fois qu'il devait faire quelque chose d'important? C'est un bel exemple à suivre. Dans la deuxième lecture, Saint-Pierre nous invite à communier à la souffrance du Christ, tout comme le disait Saint-Paul, « J'achève dans ma chair ce qui manque aux souffrances du Christ pour son corps qui est l'Église. » Confère Colossiens chapitre 1, verset 24. Voilà ce que Saint-Paul a fait et que Saint-Pierre nous invite à faire. Le mot « communier » signifie « à être en accord » en union spirituelle avec le Christ. Saint-Pierre nous invite à nous réjouir d'être insultés au nom du Christ, car l'Esprit de Dieu repose sur nous. Il ne suffit pas que les gens parlent mal de nous ou que les gens nous insultent pour être bienheureux. Il faudrait surtout que ce soit à cause de notre appartenance au Christ. Bienheureux serions-nous si les gens parlaient mal de nous en nous insultant et à cause du Christ. En aucun cas, nous dit Saint-Pierre, nous ne devrions souffrir comme meurtriers, voleurs, malfaiteurs ou agitateurs. Ici, chacun de nous est invité à regarder ce qu'est sa vie. Suis-je en quelque sorte un meurtrier lorsque j'ai de la haine envers mes frères et sœurs, lorsque je suis mécontent de leur progrès? Est-ce que je ne les crucifie pas dans mon cœur? Sûrement, je pourrais me vanter de ne pas être voleur des biens physiques des autres. Qu'en est-il de la gloire des autres? Ne suis-je pas celui ou celle qui prend la gloire des autres? Peut-être que je suis un malfaiteur. J'empêche les autres à recevoir ce qui leur revient de droit ou je répands de fausses rumeurs sur les autres. Que chacun examine sa vie et voit en quoi il doit faire des efforts. Dans l'évangile de ce jour, le Christ prie pour ses disciples.
Il nous montre ce qui est la vie éternelle. La vie éternelle, c'est de connaître le seul vrai Dieu et celui qu'il a envoyé, Jésus-Christ. Beaucoup parmi nous pourraient nous frapper la poitrine et dire « Nous avons déjà la vie éternelle puisque nous connaissons déjà Dieu et avons déjà accepté Jésus-Christ comme notre seul Sauveur et Seigneur. » Si je suis chrétien, mais j'ai encore de la haine dans mon cœur contre mon frère ou ma sœur, là, il y a problème. Le Christ, dans l'évangile d'aujourd'hui, prie pour chacun de nous que le Père ne nous retire pas du monde, mais qu'il nous garde du mauvais. Que lui-même bénisse sa parole dans nos cœurs. Amen. Que le Seigneur Tout-Puissant et Miséricordieux nous bénisse et nous garde. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bénissons le Seigneur.